J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'aime trop les sons au café. Nous sommes au jour 2 du café. En tout cas, j'aime bien l'odeur du café. Même si je ne prends pas le café, en fait, j'aime trop l'odeur du café. Bon, tu as déjà vu. Bon, bref, je te laisse avec le DIY et je te retrouve tout de suite après. Bon, comme tu as pu le voir, c'est vraiment un DIY très facile. En fait, tu peux laisser infuser le café simple, mais j'ai voulu rajouter les feux de nid parce que je sais que mes cheveux aiment bien les feux de nid. Et voilà, ben, on va appliquer, on va vaporiser ça sur nos cheveux. Après, je sais que le café peut colorer aussi les cheveux. Donc, si vous avez des cheveux colorés, faites quand même des petites recherches, faites quand même attention. Moi, comme je te l'ai dit dans l'une de mes vidéos, ça ne m'embête pas de... Attends, je vais me protéger parce qu'en bas, j'ai quelque chose de blanc. Bon.
Bon, ça c'est vraiment le soin le plus facile, je pense. Bon, l'un des soins les plus faciles, juste mettre une charlotte, attendre 30 minutes à 1 heure, puis le shampoing, et voilà, j'en ai terminé. Mais c'est un soin que je connais déjà qui fait vraiment du bien aux cheveux et qui, à force de l'utiliser, va vraiment favoriser la pousse des cheveux. Ça rend les cheveux tout doux. Mais je tiens encore à dire, si vous avez des cheveux colorés, faites attention. Testez d'abord peut-être au niveau de la nuque. Parce que ça peut, le café peut noircir certaines chevelures. Voilà! Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux m'encourager, si tu veux me motiver, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve déjà dès demain. Laisse-moi aller laisser poser mon soin et après faire mon shampoing.